Je me rappelle. Je suis au resto, en tant que cuistot, derrière mon piano. Et là, je concocte de délicieux petits plats. Bref, et en somme, je prépare mémé. Première question, mes sens sont en ébullition. Est-ce que je fais cuire mémé à la vapeur? Je fais mariner mémé dans le bain? Je passe mémé à la casserole? Non, j'opte pour faire cuire mémé à poil. À point! À point! À la poil. Et puis, j'entends mémé cuire. Alors bien sûr, je ne touche pas mémé, c'est sale. Mais j'entends mémé frire. Joie, mémé, comme disait Pépé. Jouis, mamie, comme disait papy. Et puis, je sens mémé. J'hume mémé. Je renifle le fumé des mémés. Ça sent le papicrade. Le paprika. Vient alors le moment de goûter mémé. Alors je mets mémé en bouche avec un petit morceau de pain. J'ai oublié de salir mémé. De saler mamie. Alors je sale mamie, tu t'es fait dessus. Je sale mamie juste sur le dessus. Je trempe mamie dans le jus de mémé. Je remets mémé en bouche avec un petit maillot à la bonne taille. Avec un peu de maillot et beaucoup d'ail. En espérant que mémé aille se coucher. En espérant que mémé aille au lit. En espérant que mémé à l'aïoli ravive mes convives. Et puis, je prends un plat plat. Je vais prendre un plat creux, hein, je prends un plat plat, un vieux plat plat, parce que c'est dans les vieux pots que fait mémé. Et hop là, mémé dans le plat plat. Attention, décoration, je mets mémé en couche. Mes sens se sont en folie. Mais papilles aussi. Et puis, le serveur prend mémé. Mémé sont servis. J'attends enfin le verdict. Mémé pique. La barbe. Eh, fallait pas pousser mémé dans les orties.